Jour J, c'est la baby shower de ma grande sœur. Surprise! Que j'organise. Il reste 5 heures pour tout mettre en place. Autant te dire que rien n'est prêt. J'adore organiser des événements. Sache qu'en plus, à la base, ta maman était pas très fan du concept de baby shower. Mais je suis sûre que cette journée, ça va la faire changer d'avis. Si elle voit le jour cette journée, parce que pour le moment, écoute, à part des ballons et des décos un peu partout, d'ailleurs j'ai fait tous les DIY sur TikTok, y a rien, voilà, absolument rien. La salle est vide, tout est vide, donc on décore tout ensemble et on passe la journée ensemble. Quand même que je te présente Mélina, sans qui tous ces préparatifs, tous ces DIY cette journée n'existeraient pas, voilà. Kiku. Bonjour. Ce sera elle qui sera beaucoup derrière la caméra aujourd'hui. Comme je veux aussi profiter du moment en famille, passer aussi pour ça la baby shower. C'est parti. Ok, ok, stop. Attends meuf, je t'ai même pas expliqué ce que je faisais avec tout ça. On charge la déco là pour l'emmener sur le lieu où se passera la baby shower dans quelques heures. Et toute cette déco, c'est des DIY, enfin la majorité. Ou alors des trucs dénichés sur Le Bon Coin, Vinted. Ah, j'ai cassé la branche. Mais tout comment j'ai préparé, je te l'explique sur TikTok. Rejoins-moi aussi sur TikTok pour voir les backstage. Ah, ah. Le lieu, lieu atypique, mais lieu parfait. La salle de ma grande sœur. Un peu compliqué vu que peut-être qu'elle va s'y trouver, mais hyper pratique parce que c'est à l'abri et là, avec la pluie en ce moment dehors, salle de Paul, le top. Bon les filles, normalement il n'y a pas ma sœur, mais je vais quand même aller vérifier avant de tout décharger. Je lui ai fait croire, avec son copain, que du coup ils avaient un shooting, que je leur organisais un shooting surprise à 16h. Tous les invités sont invités à 15h30. Donc au moins ils savent qu'ils doivent venir là, mais pourquoi, ils savent pas vraiment. Ça va et toi? Tu fais quoi dans ma salle? Je fais un vlog de ma journée, je montre aux gens ce que je fais de mes journées, ma famille. En fait, c'est ici que dans une heure et demie, tout doit être installé. J'ai un peu paniqué dans mon mensonge, mais j'espère qu'elle m'a pas cramé. Enfin, je pense pas. Enfin, elle est partie de la salle. Let's go! À nous de jouer, on décore tout, on a 2 heures. Tout ça, c'est bien beau, mais une fête n'est pas une fête s'il n'y a pas à manger. On arrive au moment fatidique, le gâteau. C'est le clou du spectacle pour moi dans un événement. On lui a fait 100% confiance. On découvre ça ensemble. Salut, salut. Oh, ils sont trop beaux. Non, ils sont trop mignons. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Un an et demi. Je fais une formation et... C'est trop bien. Et j'aimerais en faire mon métier. Tu fais ça du coup dans toute la Gironde? Je livre, je me déplace et après j'ai mon père en Dordogne. S'il faut, je vais en Dordogne. Enfin genre... Trop chouette. Les tea cakes. 33. Trop chouette, j'adore, je suis fan. Il est trop beau, je suis si heureuse. Enfin, je pense que j'aurais pas pu m'imaginer mieux ou demander un truc mieux. Mais qu'est-ce qu'une journée comme celle-ci sans faire le petit chef pour que tout le monde soit bien coordonné? Et ça, je t'assure que je m'en donne à cœur joie. Faire attention à tout, et faut vraiment faire attention aux nuages, à le prendre ensemble, à le poser bien à plat. Et les ballons aussi, pour les peluches qu'elles se salissent pas, les poser sur quelque chose de propre, quoi. Et sans demander de l'aide au padré. Parce qu'avec Mélina, on n'a pas pu manger nos nuggets. Papa, tous les McDo de France, ils ont été frappés par la foudre. Du coup, c'est fermé. Est-ce que tu peux nous livrer du Mac José? Et bien sûr, sans péter des câbles toute seule. Voilà, ça peut pas fonctionner. J'ai pas compris! C'est bon, tu me casses, toi. Oh là là! Enfin bref, direction la fleuriste. On est aux fleurs! Et c'est là où j'ai fait mon stage en plus. Vous savez que c'est vraiment mon rêve, mais genre vraiment. Si j'avais pas fait créatrice de contenu, je te jure, j'ouvrirais une fleuristerie. Waouh! C'est dans 2 heures. Et voilà le avant. Meuf, on a un travail monstre. Là, je t'avoue que la pression commence vraiment à monter. J'espère que ça va rendre aussi bien que dans ma tête tout ce que j'ai imaginé. Heureusement que toute la famille s'y met. Il est où, papy? Il est en bas. Il descend pas tant qu'il n'y a pas la pluie à s'arrêter. Où c'est combien? Là-bas, les boissons, ça sera. Ah, il faut bosser!
Petit résumé de notre beau buffet. On a mon parfait brunch à qui tu peux faire appel sur la Gironde si t'as besoin. Vous livrez surtout Bordeaux, c'est ça? Jusqu'au bassin, La Rochelle, ok. Du sucré, du salé, tout ce qu'il faut. Lendemain de mariage, événement, vraiment sur mesure, ils organisent. Va faire un tour sur leur Insta, t'as un choix de zinzin. Merci beaucoup à eux pour leur confiance. Ça fait trop plaisir et c'était un régal, je te le dis d'avance. Surtout les pancakes, ils sont partis comme des petits pains. Et merci encore à LettyCakes33 pour ces jolis cupcakes et ce gâteau de foufou. Quoique là, il est caché, mais je peux te dire qu'il a fait vraiment le clou du spectacle. L'attention monte. On est en retard, bien évidemment. Ma soeur arrive bientôt. Oh, super surprise. Merci beaucoup. T-shirt gavé. Énorme. Franchement, c'est énorme. Putain, mais c'est magnifique. Mais tout est trop beau. T'es trop gentil. Mais ça va faire de la mousse. Je suis gastrée, je suis pas bien. Je veux remercier Le Gobelet Français pour les verres. T'as avec mon code 10 Eva Travel, moins 10% si tu commandes. C'est Le Gobelet Français, donc ils sont tous en France, personnalisables à 100%. Et ça permet aux gens de repartir avec un petit souvenir et d'avoir des verres réutilisables. C'est chouette. Bon, c'est bon, je suis déstressée. Franchement, organiser un événement, c'est vraiment quelque chose. Que serait une baby shower sans animation? Allez, un petit tour dans l'ambiance. Comme activité prévue, j'ai sorti le grand jeu afin que nos invités se divertissent au mieux. Première activité, le juste prix. Nos invités pourraient-ils gagner des millions? C'est plus une heure, c'est plus 250. C'est 249. 249, c'est ça. Attends, 2 secondes. 49,90. C'est moi. 39,90. C'est moi. 39. C'est moi. 32,90. C'est moi. C'est plus. 37,90. C'est moi. 35,99. C'est moi. 34,90. 34. C'est quoi mon bras 2? Le prix. Ça n'a pas de prix, pardon. Bah. Oui. Ah oui, ça n'a pas de prix parce que une fois le bébé. Le moment que tout le monde attend, les cadeaux. Mais dis donc, cette petite Romy, elle a été gâtée. Merci encore à tout le monde de la part de ma grande sœur et de Diane. Après s'être une nouvelle fois rempli bien le ventre, le tour de taille. Il suffit juste d'une pelote en laine en plus pour cette activité. Voyons voir qui a réellement un mètre dans l'œil. L'objectif, deviner plus ou moins le tour de taille enceinte de ma sœur. Et je pense qu'on a des grands gagnants qui ont vraiment réussi pile poil. Et ça, c'est beau. Allez, hein, on fait une tentative. C'est peut-être pas tout à fait tort. Là, elle va gagner, c'est sûr. Ah, je suis trop long. Attention. Dernière activité, devine le prénom. Quoi de mieux pour finir le spectacle que de révéler le prénom de la petite princesse qui va bientôt arriver? Mila, Alice, Romane, Romy, Arthurette, Romy, Rihanna, Romy, Roxane, Lorraine, Josette, Agathe, Romy. Pire, combien il y en a? Quoi? Moi je reveux bien entendre le 6, 7, Romy, c'est gagnant. C'est gagnant. Bah on choisit au vote. Ouais, ben voilà. Ça sera Romy. Ouais. C'est la fin là? C'est passé trop vite. Tu sais, tu mets 10 000 temps à tout organiser, tout faire, tout imaginer. Et ça passe comme ça. Heureusement que tout le monde nous a aidés. Et voilà. Hop 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 hop. Avant de partir, dis-moi sincèrement en commentaire si t'as aimé cette vidéo. En tout cas, moi j'ai kiffé te partager cette journée assez folle qui est passée beaucoup trop vite. Merci d'avoir regardé. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à me rejoindre sur Insta et TikTok. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent aussi. Bisous.